Cette affaire dure depuis le mois de juillet, puisque nous avions écrit à M. le maire et à M. Cazenave, lui demandant toute une série d'éléments qui sont rarement demandés, mes chers collègues. On avait demandé toutes les notes adressées par la direction du budget et la direction du Trésor aux deux ministres sur l'exécution 2024 et le projet de loi de finances 2025. Ces notes nous ont été remises. C'est ça ce qui est très étrange. On nous remet ces notes, alors qu'ils sont vraiment des documents préparatoire, c'est pas voilà, mais on refuse de nous donner les lettres plafond. Alors, d'après ce qu'on nous a expliqué, le premier ministre de l'époque, monsieur Attal, avait hésité à les signer. Mais c'est vrai que c'était une situation ubuesque au sens où il était premier ministre démissionnaire et chargé d'expédier les affaires courantes. Or, est-ce expédier les affaires courantes que de signer des lettres plafond d'après ce qu'il a expliqué à la presse? Hein, avec une quinzaine de milliards d'économies, c'est-à-dire les 10 initiales plus 5 à 7 supplémentaires. Bon, voilà ce qui avait été confirmé lorsqu'ils ont été auditionnés devant la commission des finances. Moi, je vais jouer la transparence avec vous. Le Premier ministre a demandé à me voir. Je l'ai vu très longuement pendant une heure hier après-midi. Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, donnez à la commission des finances ces lettres plafond. Pourquoi ? Ce n'est pas les vôtres. C'est celles de votre prédécesseur. Et donc, de toute façon, on a déjà des bribes de ministres, dont un, d'ailleurs, a déclaré qu'il considérait que cette lettre plafond était nulle et non avenue. Oui, un ministre de la République expédiant les affaires courantes, voyez. Et donc, on voit dans la presse des journalistes qui ont des morceaux. Et enfin, c'est pas possible d'accepter cela. Donc, je pense que toute tendance réunie, il faut dire, vous devez donner à la commission des finances. Alors, il y a un argument qui a été utilisé hier, parce que le directeur de cabinet a assisté à une partie de mon entretien avec le Premier ministre, hein, expliquant que ça ne s'était jamais fait. Ce n'est pas exact, puisque ceux qui suivent cela, notre collègue Saint-Martin les avait demandés et les avait eus. Donc, Moi, je suis un peu étonnée de tout ce qui se passe en ce moment, parce qu'en fait, les autres années, le tiré à part, on ne l'utilise pas vraiment, les lettres plafond, on ne les a pas. Un projet de loi de finances, c'est avant tout des mesures fiscales, c'est avant tout un budget, et après, la deuxième partie, c'est les bleus qui nous intéressent. Moi, ce qui me gêne, ce n'est pas que vous y alliez demander, ce qui me gêne, c'est l'instrumentalisation médiatique qui en est fait. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression d'être avec Martine. Martine quitte l'Assemblée nationale, Martine arrive à Matignon, Martine ressort de Matignon. Vous comprendrez que Martine, c'est bien vous, monsieur le rapporteur, et monsieur le président. Donc moi, ce qui me gêne, c'est vraiment cette instrumentalisation médiatique que vous faites de ces livrables que vous n'avez pas reçus, qui ne nous servent en règle générale jamais pour préparer le budget. Donc je veux bien qu'on fasse toute une médiatisation en ce moment, mais franchement, je pense qu'on peut travailler. Je suis d'ailleurs en audition avec mon administrateur depuis déjà plus d'une semaine. On arrive à faire le travail. Donc ne mettons pas du feu là où il n'y en a pas. Et je pense qu'il est temps d'arrêter cette ultra-médiatisation et mettons-nous vraiment au travail. Je vais vous lire un extrait de la lettre de monsieur le Premier ministre. Nous sommes dans une configuration inédite en cette période qui constitue usuellement la dernière ligne droite de finalisation des textes financiers de l'année à venir. Voilà dans quelle normalité nous sommes, c'est-à-dire le moment où on devrait être en train de la ligne droite de finalisation, et donc, contrairement à ce que vous dites, de l'engagement de discussion dans la commission qui aurait dû déjà avoir lieu. Vous dites, c'est dit, vous dites d'habitude, il y a les dialogues de Bercy, on a le tir à part. Alors que vous ne serviez pas du tir à part, chers collègues, peut-être parce que vous étiez du côté du gouvernement et qu'il vous était moins utile, mais croyez-moi que ce n'est pas vrai pour tous les commissaires. Enfin, c'est quelque chose c'est contraire à toutes les vérités. Donc je trouve qu'on devrait plutôt s'inquiéter du fait qu'on est dans une situation aujourd'hui anormale qui fait que le budget, pour la première fois inédit depuis la Ve République, va nous être transmis avec 8 jours de retard, mais que par contre, il y a bien des lettres de plafond signées par un ministre démissionnaire qui, d'ailleurs, vous parlez des médias, mais avait convoqué la presse pour commenter ces lettres plafond, je tiens quand même à vous le dire, d'accord, qui ont été envoyées. Alors que vous, parlementaires, vous me disiez que ça ne vous pose aucun problème que l'exécutif, quel que soit l'exécutif, puisse commencer à travailler à budget, puisse travailler avec la presse, puisse envoyer ça au ministère, et que les seuls qui, finalement, ne seraient pas... qu'ils aient le droit après de s'en servir, ça chacun son... mais qui n'aient pas à avoir accès à ces documents, soit les parlementaires. Moi, excusez-moi, je n'ai pas la même conception du Parlement. Et franchement, ça n'a pas de rapport avec nos logiques partisanes. Quant aux médias, pour vous répondre,
très sincèrement, il suffisait, à chaque fois que nous avons demandé quelque chose, de nous l'envoyer, d'accord, et de les recevoir. Bon, à partir du moment où on est obligé, et c'est dans le droit d'aller sur place chercher les documents, c'est évident que les médias s'en occupent et s'y intéressent. Mais le problème, c'est pourquoi on est obligé d'y aller. Et le deuxième problème, pourquoi on ne nous les a pas donnés, ça devrait vous inquiéter. Parce que ça, c'est un droit constitutionnel qui est accordé au président de la Commission des finances en votre nom et au rapporteur général, dont on nous a privés ce matin. Si ça ne vous inquiète pas, dans la dichotomie entre aujourd'hui, entre l'exécutif, la manière dont il avance, et l'Assemblée, moi, ça m'inquiète fortement. Mais chacun a son sens. Bon, allez, arrêtez. Franchement, ce genre de réponse... On est dans une situation inédite, on a l'impression que vous ne prenez pas en compte cette situation inédite. C'est comme si on était dans une routine habituelle d'examen du budget. Certes, on a besoin des documents, cette commission est bien placée pour le savoir. Certes, on a besoin de travailler en amont. Mais enfin, il y a un gouvernement qui a été, en tout cas un Premier ministre nommé une dizaine de jours, un gouvernement qui va suivre, faut juste lui laisser le temps, dans les circonstances qui sont les siennes, de le faire. C'est pas si simple. Et chacun est un responsable politique, donc chacun peut observer cela. Et donc c'est pas étonnant que les documents qu'on a et qui tombent à des dates très précises à un moment donné, ils tombent pas tout à fait à ces dates. Comme d'ailleurs le 1er octobre, le mardi n'est pas nécessairement un 1er octobre. Ça peut être un 5 octobre, un 6 octobre. Donc on n'a pas tant de retard que ça par rapport à d'autres mardis où nous avions le projet de loi de finances à ce moment-là. Et c'est pas étonnant qu'un Premier ministre arrivant décide de ne pas communiquer immédiatement ce qui a été préparé par un Premier ministre sortant. C'est pas choquant. Et d'ailleurs, vous diriez, si vous receviez les lettres peut-être plafond, alors elles n'étaient pas transmises à la Commission, les lettres plafond, c'est le tiré à part qui était transmis. Enfin, pourquoi pas? Mais c'est le tiré à part qui était transmis. Et au fond, on commençait à travailler au mois de septembre là-dessus. On est encore au mois de septembre. C'est pas, me semble-t-il, un sujet. Certes, tout cela sera fait de façon précipitée, mais c'est les circonstances qui le sont. On rentre dans une ère politique nouvelle. C'est pas si simple de bâtir une coalition. Et donc ça a évidemment des répercussions sur le calendrier budgétaire. Les circonstances ne sont pas tombées du ciel. Vous parlez de responsabilité. En tout cas, nous, parlementaires, nous sommes les derniers à être responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'avoir une dissolution, des élections début juillet et un gouvernement, pas de gouvernement 3 mois après. Donc, si vous voulez, je ne rentre pas mais au moins, nous ne devrions pas, nous, être tributaires de cette situation. Et quand des documents existent, j'estime normal, nous disons. Je réponds juste à un argument. On ne compte plus avec Charles le nombre de réunions que nous avons eues à Bercy pour demander ces documents. Pas plus tard qu'hier, Charles de Courson était avec le Premier ministre. Vous remarquez que nous n'avons absolument pas cherché à médiatiser ces réunions. Donc nous les avons... Non, mais j'entends bien, je répondais. Donc nous les avons demandés et redemandés. Et je pense que si tous nous demandions les documents, peut-être que nous n'aurions pas à aller les exiger parce que à un moment donné, on entendrait la voix de la Commission. Je regrette que vous considériez que ça ne nous est pas nécessaire. Voilà, c'est tout. Pas de problème. Alors ce qui est quand même assez étrange, c'est quand nous sommes allés à Matignon pour demander qu'on nous donne une copie de ces documents, on a été reçu par le chef de cabinet, le Premier ministre n'était pas là, le directeur de cabinet non plus, et par la secrétaire générale du gouvernement. Et moi, j'ai posé la question, est-ce que oui ou non, ces textes sont communicables? Réponse, oui. Est-ce qu'il y a une obligation de les communiquer au président et au rapporteur général de l'Assemblée et du Sénat? Alors là, il y a eu un débat, on va dire, voilà. Nous défendions la thèse que oui. Et la thèse des actes préparatoires ne tient pas. Un Premier ministre les a signés, vous voyez. Et donc, moi, j'en appelle à tous les membres de la Commission des finances qu'on fasse bloc en disant « Vous devez les envoyer ». Après, on le donnera une fois qu'on les aura à chaque rapporteur spécial, ce qui quand même les aide à préparer leur rapport. Parce que tel que c'est parti, on va avoir combien de temps pour examiner la première et la deuxième partie? Ça va être extrêmement étroit. Et donc je pense que si on veut avoir un véritable travail, d'autant plus que comme il n'y a pas de majorité, mes chers collègues, l'intérêt c'est quand même qu'il y ait un budget de la France. On ne va pas quand même se payer le luxe de ne pas avoir de budget. Je vous rappelle que si on ne respecte pas les 70 jours, une ordonnance automatique, hein, c'est-à-dire c'est pas le Parlement qui donnera délégation au gouvernement. Une ordonnance
qui ne fait pas l'objet d'une rectification. Vous avouerez que c'est quand même assez étrange. Enfin, c'est la Constitution. Voilà. Donc, moi, je vous signale cela. Donc, notre intérêt à tous dans cette affaire, c'est de dire, vous nous les donnez pour qu'on puisse commencer, que nos rapporteurs spéciaux qu'on a désignés puissent travailler, hein, et qu'on ait une deuxième partie, puisque les lettres au plafond concernent la deuxième partie, puissent être éclairées.